Coucou tout le monde, là voici notre vidéo un petit peu spéciale. Si vous nous suivez sur Instagram, vous l'avez sans doute déjà deviné. On va tester pour vous le patron Pretty Folk de Kid by Klo. On vous montre ça parce qu'en fait ça c'est le packaging du patron, il est trop mignon. Donc à l'intérieur, vous avez la version papier du patron, vous avez un petit carnet pour les explications et vous avez également une petite chemise dans laquelle vous pouvez ranger le patron et le petit carnet d'explications dans laquelle vous pouvez aussi écrire des petites notes. C'est bien sympa de l'avoir. Mention plus à Kid by Klo qui envoie ses petits patrons dans un packaging trop mignon. Donc en fait on les reçoit dans un petit coupon de tissu comme ça qu'on a juste envie de garder pour pouvoir en faire quelque chose de trop mimi plus tard. On remercie Pretty Mercerie qui nous a envoyé gratuitement le tissu pour réaliser cette robe. C'est un crêpe beige rosé, rose poudré, un petit peu comme vous voulez, qui est juste très très joli. On vous conseille d'aller faire un tour sur le site internet de Pretty Mercerie qui est juste magnifique et qui vend toujours des tissus magnifiques. On fait des gros bisous à Anne de My Dress Made. C'est une fille trop gentille, on l'a rencontrée sur Instagram, en fait on la suivait et on est super content qu'elle ait accepté de faire une vidéo avec nous. Du coup c'est un petit peu avec elle qu'on a eu toute cette idée de vidéo, de coudre un patron Kid by Klo, de faire appel à Pretty Mercerie. On a réussi à se croiser à Mont-de-Marsan le mois dernier pour réaliser quelques plans pour le tournage. On va très vite parce que ça va être une très longue vidéo et qu'on ne peut pas en rajouter des tonnes. Mais le plus top de cette vidéo, c'est qu'on vous organise un concours. Qu'est-ce qu'il y aura à gagner? Il y aura à gagner un kit Pretty Folk. En fait, vous gagnez le patron en version papier et le tissu de votre choix sur Pretty Mercerie. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur la page Facebook Hello Supérette et de commenter la photo du concours. Vous verrez, c'est la seule photo où il y a écrit « concours » en gros. Dites-nous en commentaire sous la photo ce que vous préférez de la robe Pretty Folk. Si c'est le col, si c'est la goutte dans le dos, si c'est la dentelle de Anne, si c'est la longueur. Dites-nous ce que vous préférez dans la robe. Il n'y a pas plus simple et ce sera la seule condition pour participer. Le tirage au sort sera mardi soir, donc vous avez 2 jours pour participer. On vous laissera toutes les conditions générales du concours dans la description de la vidéo et sur la page Facebook également. Quelques petites choses à noter sur la couture de Pretty Folk. Première chose, pour la finition du col à l'intérieur, il faut utiliser un biais. On vous conseille d'utiliser un biais qui matche la couleur de votre tissu dans un biais en coton. Nous, on n'a pas trouvé de biais en coton qui matchait la couleur de notre tissu. Du coup, on a découpé un biais dans le tissu. Mais c'était un petit peu une mauvaise idée parce que le tissu est quand même assez épais de base. Et du coup, ça a été un petit peu galère. Donc, utilisez un biais en coton. Conseil d'amis. Et au moment de la découpe, faites bien attention de reporter l'écran du patron sur le tissu. Ce qui est génial dans ce patron, c'est que la difficulté est complètement modulable. Si vous voulez coudre une doublure, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un zip invisible sur le côté, mais vous n'êtes pas obligé. Nous, on va vous expliquer comment coudre la version la plus simple de Pretty Folk, sans doublure, sans zip invisible. On vous laisse avec le tuto. Et du coup, pour réaliser exactement la même version Pretty Folk que nous, il vous faudra 2 mètres de tissu, 1,50 m de biais, un petit bouton pour fermer le col et un tout petit morceau de fil à broder qui matche la couleur de votre tissu. Ça aussi, ce sera pour fermer le col. On commence par découper notre patron à la bonne taille et vous devriez vous retrouver avec un devant, 3 parties qui forment le dos, 2 manches et 2 parties qui forment la jupe et un petit col. Allez, on commence par découper la fente sur la pièce centrale du dos et on vient assembler les 3 pièces du dos ensemble, endroit contre endroit et à 1 cm. Une fois que c'est fait, on repasse les coutures vers l'extérieur et on vient les surpiquer à 2 mm à la machine. On vient marquer la partie dos sur nos manches avec une petite épingle pour pas se gourer au moment de l'assemblage et on vient assembler le dos de nos manches avec le dos de notre robe. On fait correspondre le haut de la manche avec le haut de la robe et en épinglant dans l'envers le bas en faisant correspondre les bords de chaque pièce. Et comme il y a une petite courbe au niveau du dessous de bras sur la pièce du dos, on met beaucoup d'épingles pour être sûr que les deux bords correspondent parfaitement. Et tout pareil, on vient coudre ça à 1 cm. Et ensuite, exactement de la même manière, on vient assembler notre devant avec le devant de nos manches, toujours endroit contre endroit, on épingle de la même manière et on vient coudre toujours 1 cm. Et enfin, on va assembler les côtés de notre haut en faisant correspondre les coutures sous les bras et on vient le fermer en cousant 1 cm.
Si comme nous, vous faites la version sans doublure, on vous conseille de surfiler chaque valeur de couture. Au début, on l'a pas fait, mais avec un tissu qui s'effiloche, on vous le conseille, c'est quand même carrément plus propre une fois fini. Allez, on s'attaque aux fronces de la jupe. On va venir faire une couture sur le haut de la jupe à 0,5 mm avec un point très très long, le plus long possible, et pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Et on va laisser les fils dépasser de chaque côté pour pouvoir faire des nœuds plus tard. Une fois qu'on a réalisé la première couture, on en fait une exactement pareille à quelques millimètres de la première. Et ensuite, d'un côté, on va prendre les deux fils du dessus et on va faire un petit nœud. Et ensuite, de l'autre côté, on va prendre les deux fils du dessous et on va faire un petit nœud. Ça, c'est pour être sûr que nos fronces ne se barrent pas une fois qu'on commencera à les former. Et on va venir tirer délicatement au niveau de la couture notre tissu pour créer les fronces. Vous allez voir, c'est un petit peu long, mais c'est pas compliqué. C'est comme ça qu'on crée des fronces bien propres et bien régulières, une fois froncées et la même longueur que le bas du haut de notre robe. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas clair? Vous faites exactement la même chose sur l'autre jupe et vous vous servez de la première pour être sûr que la deuxième soit froncée à la même longueur que la première et vous venez assembler les côtés de la jupe à 1 cm sur toute la longueur. Ensuite, vous prenez la jupe sur l'envers et vous enfilez le haut sur l'endroit à l'intérieur de la jupe. On va faire correspondre les coutures de côté de la jupe avec celles du haut de la robe. Et on va venir épingler tout autour. Et si vous avez fait un bon job au niveau des fronces, il ne devrait pas y avoir de surplus au niveau de l'assemblage. Et on coud tout ça à 1 cm, en faisant bien attention que les fils qu'on a utilisés pour former les fronces restent du côté valeur de couture. Allez, on va commencer à former le col en faisant un petit ourlet de 5 mm sur l'un des longs côtés du col. Nous, on n'a pas jugé nécessaire d'épingler à cette étape-là. Si jamais vous le sentez pas, vous utilisez le fer à repasser et les épingles pour vous aider. On vient faire également un petit ourlet sur l'une des extrémités du col. Et si on a bien découpé notre patron, on a reporté l'écran sur notre tissu. Et du coup, au niveau de chaque cran, on va venir faire un petit pli, puis un repli à 1 cm, comme ça, à chaque cran, sur tout le long de la bande. On vient mesurer notre encolure en partant d'un centimètre après la fente jusqu'à 1 cm avant la fente. On retient cette longueur et on y ajoute 2 cm. Ce sera la longueur à laquelle il faut découper notre col. Et on vient coudre un double ourlet sur l'autre bout de notre col de 1 cm de large avant de venir l'assembler à notre robe. Allez, maintenant on assemble l'endroit de notre col avec l'endroit de notre robe. On fait bien attention de partir 1 cm après la fente et on vient épingler comme ça sur tout le tour. Alors ça fait pas mal d'épingles mais on s'inquiète pas et si vous avez fait bien le job au niveau des mesures, votre col devrait tomber pile poil 1 cm avant la fente de l'autre côté. Et avant de venir coudre tout ça, on va prendre notre 1,50 m de biais et on va venir dégager une des parties de notre biais pour que ce soit plus fin au niveau de la finition. Et on commence à poser notre biais sur le milieu devant de notre robe, en faisant un petit repli au début pour la finition plus tard. Et on voit bien sur les images que le repli de notre biais qui reste se trouve vers le bas. Alors on n'a pas épinglé tout autour, on est passé directement sous la machine, et on va vous expliquer de suite comment coudre au niveau de la fente, et surtout comment réaliser les angles dans le dos. Alors on commence la couture tranquillement. Et on s'arrête 1 cm avant le bord de notre tissu. Vous pouvez, si ça vous rassure, marquer avec un petit stylo l'endroit exact où il faut s'arrêter. On vient faire un point d'arrêt. Et ensuite, on prend notre biais et on le plie vers le haut de notre robe. Et en maintenant ce pli, on le replie vers le bas. Donc c'est pas un pliage très compliqué, il faut juste l'avoir devant les yeux pour le reproduire. Et du coup le principe ce sera de reprendre la couture exactement là où vous l'avez laissé à 1 cm. Et si vous voulez, vous pouvez soulever pour savoir exactement où recommencer et vous mettre un petit repère avec le stylo. Au moment de reprendre la couture, on fait bien attention de ne pas prendre le col en sandwich. Et on continue notre couture comme ça jusqu'au bas de la fente. Pour coudre une fente, c'est pas compliqué, hein. Il suffit d'ouvrir la fente comme si vous alliez coudre une ligne droite. Vous allez tout doucement en rabattant tous les plis qui se forment naturellement vers l'arrière. Vous continuez tout doucement et vous allez voir, ça passera nickel. Pour l'autre angle, c'est exactement la même chose, on s'arrête 1 cm avant, on fait un point d'arrêt. On replie vers le haut notre biais et on le rabat vers le bas.
et on reprend la couture à 1 cm exactement là où on l'a laissé, et on coud comme ça jusqu'au devant de la robe. On fait se chevaucher les deux extrémités du biais et on découpe ce qui dépasse. Et pour des super finitions, il suffit de venir rabattre le biais sur l'envers de la robe en emprisonnant la valeur de couture à l'intérieur. Vous faites exactement la même chose au niveau de la jointure du biais et vous verrez que ce sera propre tout naturellement. Et pour les angles, on vient découper le surplus de valeur de couture. Et c'est un petit peu compliqué, mais il suffit de rabattre un côté d'abord. On pousse avec le pouce le surplus de biais et on vient rabattre l'autre partie par-dessus. On vous remontre, on rabat un côté et on vient l'épingler pour être tranquille. Et ensuite, on pousse avec le pouce et hop, on vient rabattre l'autre partie par-dessus. Et on met une épingle pour que ça tienne. Hop, et normalement ça devrait tenir nickel. On fait comme ça tout autour et on vient surpiquer à 5 mm de la couture du col sur l'endroit. On prend son temps. On est d'ailleurs venu fixer tout le col en premier et ensuite on est venu réaliser la surpiqûre de la fente dans une couture séparée. On fait gaffe au niveau de la fente d'ailleurs, on va tout doucement, on rabat au fur et à mesure les plis, on tire un petit peu sur la matière pour être sûr de ne pas faire de faux plis. Si jamais vous avez peur de faire la pose du biais en un seul coup, sachez que vous pouvez très bien utiliser un biais pour le col et un biais séparé pour la fente. Ce sera toujours une étape technique en moins pour vous faciliter la tâche. On est venu surfiler tout le bas de la robe et on a fait un ourlet simple de 1 cm. On a réalisé un double ourlet de 1 cm sur le bas des manches. On est venu coudre un énorme strass parce que j'adore les strass, mea culpa, d'un côté de la fente. Et on a utilisé un fil à broder qu'on a ajusté à la taille de notre bouton. On a fait le nœud de notre fil à broder sous le biais pour que ce soit un petit peu discret. Et on est fiers de vous annoncer que votre robe Pretty Folk est complètement terminée. Ce qui est vraiment cool avec ce patron, c'est qu'il est complètement évolutif. Vous pouvez le réaliser avec ou sans zip invisible, avec ou sans doublure. C'est vous qui décidez de la difficulté. On espère vous avoir aidé à coudre une robe Pretty Folk. On espère vous avoir fait découvrir une marque de patron super sympa. En tout cas, nous, on était super contents de l'avoir testé. N'oubliez pas de vous rendre sur la page Facebook Hello Superette pour participer au concours et tenter de gagner un kit Pretty Folk avec le patron et le tissu de votre choix sur Pretty Mercerie. Si vous avez kiffé la vidéo, laissez un petit pouce bleu. Si vous avez envie qu'on vous fasse découvrir d'autres patrons comme ça, dites-le nous en commentaire. En attendant, on fait des gros bisous à tout le monde. On vous aime et on vous dit quoi ? On vous dit quoi en vrai ? On vous dit à la semaine prochaine. Eh ben oui, comme toujours.